Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Esprit Investisseur. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être face à vous pour cette vidéo que je tourne dans mes nouveaux bureaux. Après moult galères, je suis enfin dedans. Les travaux sont quasi terminés, ils ne sont pas encore terminés. Vous voyez, il y a la table là, qui bouge encore. Les pièces ne sont pas encore totalement décorées. Mais au moins, on est dans des bureaux plus grands et nous, voilà, ça nous incite, moi ça m'incite à créer plus de contenu de meilleure qualité. Alors, le sujet du jour, c'est 7 méthodes qui vont vous permettre de générer de la plus-value, que ce soit en tant que marchand de biens professionnel ou en tant que particulier, des opérations en nom propre à titre exceptionnel. Voilà, si par exemple vous êtes en pleine recherche de votre résidence principale, eh bien ça ne coûte pas plus cher de faire marcher un petit peu son cerveau et d'acheter un bien qui va vous permettre de générer de la plus-value au moment de la vente, même si votre objectif, ce n'est pas une vente immédiate. Un jour ou l'autre, vous serez amené à vendre peut-être et bah, ça fera toujours plaisir de revendre un bien et de générer une plus-value. Donc voilà, c'est 7 méthodes qui vont un petit peu ouvrir votre champ de réflexion et peut-être vous donner des idées. Avant de commencer, je tiens à faire un petit rappel. En France, quand on achète un bien immobilier, eh bien d'office, on perd de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'on paye des frais de notaire qui ne sont pas inclus dans le prix du marché. Si vous demandez par exemple à un agent immobilier quel est le prix du marché de cet appartement dans cet immeuble, il va vous dire c'est 200 000 euros. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà revendu 3 appartements dans cet immeuble de la même surface, 195 000, 200 000, 205 000. Donc, je peux vous dire avec certitude qu'à 200 000 euros, c'est la valeur du marché. Donc, si vous achetez 200 000 ou 195 000, vous avez l'impression d'avoir acheté au prix du marché. Donc, fait une affaire classique comme font 95% des Français. Mais il ne faut pas oublier que vous payez des frais de notaire. Okay? Donc, entre 7 et 8% de frais de notaire. Donc, sur 200 000 euros, on parle d'à peu près 15 000 euros de frais de notaire. Donc, quand vous payez 200 000 euros chez le notaire, eh bien, il y a 15 000 euros en plus de frais de notaire à payer. Les frais de notaire, je rappelle, il y a une partie qui va à l'État, une grande partie qui va à l'État et une petite partie qui va dans la poche du notaire, eh bien ça, ce n'est pas inclus dans le prix du marché. Donc en fait, 95% des gens, quand ils achètent un bien, ils perdent de l'argent. Et souvent, il faut plusieurs années avant qu'ils commencent à être rentables dans leur investissement pour que l'évolution du prix du marché fasse en sorte que ça absorbe les frais de notaire. Et encore, je ne compte même pas l'inflation qu'il pourrait y avoir, etc. Mais en fait, dans 95% des gens, s'ils revendent un bien qu'ils ont acheté dans les 2-3 premières années, ils perdent de l'argent. Donc nous, on ne veut pas être dans cette catégorie-là. Voilà, on ne crache pas sur ces gens-là. C'est normal, ce n'est pas leur métier. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais moi, je suis là pour vous donner des clés, pour vous donner des conseils et astuces pour ne pas faire comme ça. Ok ? Avant de commencer la vidéo, si tu souhaites en savoir plus sur les ventes aux enchères immobilières, une technique qui me fait nourrir depuis plusieurs années maintenant, tu as un lien dans la description de cette vidéo qui te mène vers une conférence sur les ventes aux enchères immobilières. Et si tu souhaites rejoindre mon programme phare, l'incubateur d'affaires immobilières, où pendant 6 mois, je vais t'accompagner personnellement pour l'acquisition d'un bien qui te génère minimum 25% de plus-value, eh bien pareil, tu as un lien dans la description de cette vidéo. Ok ? On attaque la vidéo et tout de suite, la première méthode, la plus connue qui est d'acheter des biens à rénover. Okay? Donc, des biens en mauvais état qu'il faut rénover. Alors, évidemment, c'est une méthode qui marche, qui a marché, qui va marcher encore. Mais c'est une méthode qui devient de plus en plus difficile à mettre en pratique. Pourquoi ? Parce que les vendeurs maintenant, en fait, la plupart des gens sont de plus en plus renseignés sur le montant des travaux. Okay? On a Internet, on a des outils qui nous permettent d'estimer le montant des travaux, etc. Il y a voilà, des tutos sur YouTube, etc. Et ce qui fait que les vendeurs, au moment de la vente, savent à peu près combien il y a de travaux à prévoir. Okay? Donc, ils savent que, admettons, s'il y a 50 000 euros de travaux, donc ils savent qu'ils peuvent… Ils doivent appliquer une décote d'à peu près 50 000 euros. Ils peuvent appliquer une décote de 60-70 000 euros pour dire voilà, c'est le prix pour, c'est le bénéfice entre guillemets pour gérer le montant des travaux là. Donc, un bien qui vaut 200 000, il va vous proposer à la revente, à la vente, enfin, vous, du coup, vous à l'achat pour 140 000 euros à peu près. Donc, ce qui fait que si vous investissez le montant des travaux, eh bien, bien souvent, vous tombez au prix du marché. Donc,
pas de plus-value à la revente. Ça peut être intéressant si voilà, vous ne voulez pas faire de plus-value, c'est simplement votre résidence principale et vous voulez la décorer à votre goût. Oui, ça peut, enfin, vous pouvez faire comme ça. Mais il n'y aura pas de plus-value à la clé. Donc en fait, le tout le plus important dans un bien à rénover, c'est que le montant de la rénovation, évidemment, il soit déduit du prix, mais également le bénéfice que vous voulez. Okay? Donc si c'est 20%, 25%, etc. Donc si le bien, un bien où il y a 50 000 euros de travaux qui vaut 200 000 euros à la revente, il faut l'acheter à peu près 100, entre 100 et 120 000 euros maximum, tout frais inclus, pour que tu gagnes un bénéfice honnête. Okay? Si tu achètes le bien 110 000 euros, avec les frais de notaire, ça te revient à 108, 109 000 euros, je crois, on va dire 120 000, 118 000 euros, pardon. Donc on va dire 120 000 euros, on va arrondir. Donc prix d'achat 110 plus les frais de notaire 120. Vous investissez 50 000 euros de travaux, ça fait 170. Le bien vaut 200 000. Voilà, vous faites à peu près 20% de plus-value. Donc là, il y a de la plus-value. Et vous savez qu'aujourd'hui, le prix d'une rénovation complète, okay, donc c'est-à-dire électricité, plomberie, les revêtements de sol, murs, éventuellement les menuiseries extérieures, etc. On est entre 1 000 et 1 300 euros le mètre carré. Donc si c'est un appartement qui fait 50 mètres carrés, il y a tout à prévoir. Vous êtes entre 50 et 60 000 euros de travaux. Donc voilà, il faut qu'il y ait une décote de au moins 60 000 euros les travaux plus votre bénéfice sur le prix intrinsèque du bien, c'est-à-dire le prix à la revente une fois les travaux refaits. Okay? Ça aussi, au passage, c'est quelque chose qu'il faut être capable d'estimer. Il y a la valeur vénale, donc c'est la valeur en l'état actuel du bien, et la valeur intrinsèque, c'est la valeur qu'elle aura, que le bien aura une fois telle ou telle tâche accomplie, les travaux, libérer un occupant, un locataire, etc., etc. Voilà. Première méthode, les biens à rénover, okay? Mais à condition que, il y ait un bénéfice que vous ayez pris au moment de l'achat. Deuxième méthode, c'est la surélévation ou l'extension, et évidemment là je parle uniquement pour les maisons, les pavillons. Okay? Donc vous avez un pavillon, vous avez acheté. Alors il y a aussi, et en fait il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que admettons que pour un pavillon dans ce quartier-là, le prix au mètre carré il est de 4 000 euros le mètre carré. Okay? Eh bien bien souvent quand c'est des tout petits pavillons, il y en a des 40 mètres carrés, 50 mètres carrés. Le prix au mètre carré, il peut être inférieur à 4 000 euros le mètre carré. Pourquoi? Parce que c'est un bien qui ne rentre pas dans les critères de recherche des acheteurs. Okay? Quelqu'un qui achète un pavillon, il n'achète pas un pavillon de 40-50 mètres carrés. Il achète un pavillon parce qu'il a des gosses. Il souhaite, enfin souvent, c'est pour y rester longtemps. Donc même s'il n'en a pas, il voudra avoir des enfants. Donc il lui faut au moins 3-4 chambres. Okay? Donc c'est pour ça que les pavillons de petite surface, parfois, ce n'est pas toujours le cas, mais parfois, d'office, le prix au mètre carré, il est faible. Okay? Il est, à la revente, il est plus faible. Mais en plus de ça, si vous ajoutez au fait que vous pouvez gagner de l'argent en faisant une surélévation ou une extension, eh bien là, vous serez d'autant plus gagnant. Aujourd'hui, 2023, le coût de construction d'un bien, on est entre 2 000 et 2 200 euros le mètre carré. Okay? Donc, admettons que vous achetez le bien qui fait 50 mètres carrés, vous voulez rajouter 50 mètres carrés, okay? Donc il faudra compter à peu près 100 000 euros de plus. Okay? Mais si vous êtes dans une ville où le prix au mètre carré est à 4 000 euros, là vous êtes gagnant, il faut foncer. Okay? Ces 100 000 euros investis, ils vont vous rapporter 200 000 euros à la revente, donc 100 000 euros de bénéfice. Donc il faut que la condition pour que la surélévation et l'extension soient quelque chose de rentable, en prenant en compte que le coût de construction c'est 2 000 euros le mètre carré, il faut que le prix à la revente soit au minimum 3 000 euros le mètre carré pour qu'il y ait une différence. Okay? Si vous construisez à 2 000 euros le mètre carré et que c'est une ville où ça vaut 2 000 euros le mètre carré, vous n'allez rien gagner. Vous allez récupérer l'argent que vous avez investi. Okay? Donc cette technique-là fonctionne dans des villes où le prix au mètre carré est au minimum du minimum supérieur à 3 000 euros le mètre carré. Okay? C'est une des opérations qu'on avait fait dans une ville qui est le Vésinet, dans les Yvelines. C'est une ville qui est connue pour accueillir des ambassadeurs, etc. C'est que des pavillons qui font 300 mètres carrés, 1 000 mètres carrés de terrain. C'est une ville à 7 000 euros le mètre carré. Où là, c'était un pavillon qu'on avait acheté aux enchères. Il y avait, je crois, 50 mètres carrés, un truc comme ça. On avait fait une extension.
d'une trentaine de mètres carrés. Alors ça commence à me remonter, hein, c'était 2018. Donc voilà, on investit 2000 euros le mètre carré, il y a 7000 euros le mètre carré à la revente. Alors, cependant, dans cette méthode-là, le choix que tu feras au niveau du statut, est-ce que tu le fais en nom propre ou en société de marchand? Bien là, ça joue beaucoup. Parce qu'en société de marchand, si tu fais une surélévation ou une extension, tu seras en TVA totale sur le prix de vente. Okay? Donc sur ton prix de vente, tu as 20% de TVA. Okay? Donc ce genre de projet-là, c'est plutôt à faire en nom propre, résidence principale et éventuellement résidence secondaire, mais surtout en nom propre. Okay? Troisième méthode, transformer des commerces, des locaux commerciaux en habitation. C'est quelque chose avec le temps qui va se développer de plus en plus, qui se développe déjà actuellement. En fait, il suffit un petit peu de se balader dans les rues de Paris. Vous avez les grands boulevards, les grandes avenues et les petites rues perpendiculaires qui sont à côté. Vous faites un tour, bah, il y a des dizaines, des centaines de commerces, d'anciens commerces, mais qui sont inhabités, qui sont inutilisés depuis des décennies. Okay? Pourquoi? Parce que ça marche surtout en fait dans les grandes, enfin dans les villes anciennes, dans les vieilles villes, okay? Dans les villes centenaires, millénaires. Il y a 100 ans à Paris, en bas de chaque immeuble, il y avait une boutique, un mec qui vendait du lait, un mec qui vendait je sais pas, du fromage, etc. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de tout ça. On a Amazon ou on a Carrefour. Donc on achète tout ce qu'on a besoin. Avant, ce n'était pas le cas. Donc il y avait beaucoup de commerces qui sont inutilisés. Et tu peux même aller dans des quartiers chics de Paris, tu peux aller dans le Triangle d'Or à Paris, où certes, il y a les Champs-Élysées, il y a l'avenue Montaigne, mais si tu rentres un petit peu dedans, bah, dans les petites rues, tu vois qu'il y a des commerces qui sont vides et inutilisés depuis des années. Okay? Donc ces commerces-là, les acheter pour les transformer en logement. Et en plus de ça, c'est dans la politique de la ville, c'est quelque chose souvent. Alors, à condition, encore une fois, que tu ne t'attaques pas aux grandes rues, parce que dans les grandes rues, dans les grands boulevards, au contraire, là, les commerces sont protégés. Mais dans les petites rues où il n'y a plus personne qui passe, à part les habitants, là, la mairie autorise et bien souvent incite les gens à transformer les locaux en habitation parce que voilà, il y a un défaut d'habitation en France, de logement en France, donc tu crées du logement. Alors là, évidemment, il faut demander l'autorisation de la copropriété et de la mairie. Donc, c'est quelque chose d'un peu plus laborieux. Pareil, si tu es en société de marchands, c'est quelque chose où tu seras sous le régime de la TVA totale. Moi, ce que je conseille pour les marchands de biens pro, c'est de revendre le projet, obtenir les permis et de revendre le projet en l'état. Tu gagnes autant d'argent, le revendre à un particulier et au moins, voilà, bah, tu n'es pas taxé sur la TVA totale. Donc voilà, ça c'était la troisième méthode. Quatrième méthode, c'est d'acheter des biens occupés. Okay? Donc, alors, il y a plusieurs types d'occupation. Alors, sur les enchères, okay, spécifiquement, bah, il y a l'occupation des anciens propriétaires. Okay? Sur le marché classique, tu as soit les squatteurs ou soit les locataires. Okay? Donc, quel que soit le modèle, acheter des biens occupés, évidemment, c'est quelque chose qui te fait acheter le bien immobilier en dessous du prix du marché. Okay? Et donc, pareil, là, tu as un coût à prévoir si c'est une expulsion. Si c'est un arrangement à l'amiable, bien souvent on arrive à s'arranger à l'amiable, il faut juste savoir estimer à combien ça va coûter. Mais dans tous les cas, dans le pire des cas, j'ai envie de dire, bah, tu as l'expulsion, tu sais combien ça coûte s'il n'y a pas d'arrangement à l'amiable. Tu peux estimer le temps que ça va te prendre. Okay? La durée d'expulsion n'est pas la même en fonction de si c'est un locataire, si c'est un squatteur ou si c'est un occupant. Et voilà, donc tu peux acheter le bien facilement 50% moins cher si c'est des squatteurs dedans. Ensuite, bah, évidemment, il faut s'occuper de ça, de libérer les occupants, de discuter avec eux, de s'arranger avec eux, ce qui est une tâche difficile, mais un petit rappel, on n'a rien sans rien. Il n'y a pas de plus-value en immobilier sans travail, sans réflexion, sans prise de risque. Ça n'existe pas. L'argent facile en immobilier, ça n'existe pas. Donc évidemment, c'est chiant de s'occuper d'occupants, de locataires, de squatteurs qu'il faut libérer. Mais c'est quelque chose voilà, qui rapporte. OK? Cinquième méthode, et là, je m'adresse uniquement à un public averti, c'est l'achat de biens en arrêté de péril ou arrêté d'insalubrité.
C'est quoi un arrêté de péril, un arrêté d'insalubrité? Alors, ça peut être l'entièreté d'un immeuble, l'entièreté d'une maison ou simplement un appartement. Donc, c'est un arrêté de péril, c'est un défaut structurel. Donc, il y a une urgence parce que la structure est en danger et donc le bâtiment peut s'effondrer ou causer des dommages aux occupants. Okay? Typiquement, voilà, un plancher qui est en train de s'affaisser. L'immeuble qui est en train de s'affaisser parce que je sais pas, c'est un immeuble qui est posé sur des carrières. On voit de plus en plus ça dû aux sécheresses, etc. Des problèmes de sol, des mouvements de sol qui font qu'un bâtiment peut bouger, des grosses fissures apparaissent. Voilà, je parle du pire, des morceaux du bâtiment qui commencent à se casser. Là, c'est un arrêté de péril. Okay? Donc là, stop, personne n'habite dans le bien. Tu ne peux pas louer, tu ne peux pas revendre. Enfin, si tu peux revendre dans l'État, mais il faut que la mairie accepte et toutes les mairies n'acceptent pas. Mais en gros, tu dois effectuer les travaux. Ça peut être un arrêté d'insalubrité. Insalubrité, c'est plus soft. Il s'agit de l'insalubrité, voilà, ce n'est pas structurel, mais souvent, c'est des problèmes d'aération ou des problèmes d'infiltration. Ça peut être des problèmes d'émissions gazeuses. Okay, si tu as. Voilà, j'avais vu ça sur un bien aux enchères récemment. C'est parce que la personne chauffait, elle n'avait pas de système de chauffage, elle chauffait au charbon en fait. Elle avait vraiment les trucs à l'ancienne, elle mettait du charbon dedans, il chauffait avec ça, donc il y avait des émissions de CO2. Donc c'était en arrêté d'insalubrité. L'insalubrité, c'est plus soft, mais ça peut être aussi difficile à lever qu'un arrêté de péril. Alors pour ça, tout de suite, je te le dis, quand il s'agit d'un appartement, personnellement, arrêté d'insalubrité péril, moi c'est mort, j'y vais pas. J'ai déjà fait l'expérience, j'ai déjà acheté un bien en arrêté d'insalubrité, en fait un appartement en arrêté d'insalubrité. C'est très très compliqué parce qu'il faut mettre d'accord tous les copropriétaires, il faut que tous les copropriétaires paient et c'est un truc qui prend des années souvent. Okay? Tu peux aller sur un arrêté d'insalubrité ou même de péril, okay, à condition que tu aies bien pris la mesure du risque que tu prends, tu as estimé le montant des travaux qu'il faut, mais dans tous les cas, il faut que tu sois le seul décisionnaire, okay? Il faut que tu sois le seul impacté. Si c'est un immeuble, il faut que tu achètes l'immeuble entier. Si c'est une maison, voilà, c'est ta maison, c'est de toi que ça dépend, c'est de ton argent, c'est de ton activité, ton action que dépend la levée de cet arrêté. Okay? Donc tout de suite, c'est pour ça que j'ai dit, je m'adresse à un public averti. Si c'est un appartement, c'est mort. Si c'est une maison ou un immeuble, là, c'est jouable. Okay? À condition, encore une fois, que tu es bon dans les prix. Okay? Si tu as 300 000 euros de travaux à prévoir et que tu as une décote que de 350 000 euros, ça ne vaut pas le coup. Il faut vraiment qu'il y ait un bénéfice parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Okay? Sixième méthode, une de celles que je préfère, c'est la division de terrain. Si tu n'as pas regardé, je t'invite à regarder certaines de mes vidéos sur YouTube. Depuis 2021, maintenant, je suis un petit peu à fond sur la division de terrain. En toute honnêteté, c'est quelque chose que je trouve qui est très simple. Okay? Une division de terrain, contrairement à d'autres business en immobilier, franchement, c'est simple. C'est les géomètres qui s'occupent de tout pour la division. Si tu souhaites construire, c'est l'architecte qui s'occupe des permis de construire, etc. En soi, à part payer, tu n'as rien à faire. Et en plus de ça, je l'ai expliqué, hein, j'ai fait une vidéo, d'ailleurs, je vous la mettrai en description de cette vidéo, où la division, il y a peu de raisons pour lesquelles la mairie peut être une entrave à ta division. Il y a peu de raisons, okay? Il y en a, mais très peu. Donc, à partir du moment où physiquement ton terrain, tu vois qu'il y a de l'espace pour construire, il y a un accès, etc., tu as l'accès aux égouts, aux arrivées d'eau, d'électricité, etc., ton terrain est divisible et tu peux gagner de l'argent. D'autant plus que je vais te montrer un exemple d'un bien, okay, que je viens d'acheter. Okay, donc ça c'est une maison que je viens d'acheter. Okay, donc là tu vois c'est le terrain qui est là. Okay, là on a la rue et là on a une deuxième rue. Donc ça c'est important déjà. Une rue ça suffit, mais là en plus moi merde, j'en ai deux. Donc là en fait la division elle est très simple, c'est que tu coupes ici. En plus lui son accès il est là. Tac.
son accès voiture est ici. Et là, j'ai plus qu'à créer un accès ici ou ici. Merde, j'ai dessiné un peu bizarrement. Et voilà, construire ma deuxième maison là. Ce terrain-là, enfin voilà, avant la division, ce terrain-là, je l'ai acheté 330 000 euros hors frais de notaire, avec frais de notaire 355 000 euros. Une fois divisé, ok, une fois divisé, cette maison-là, je la revends entre 300 et 320 000 euros, quasiment au prix d'achat. C'est-à-dire que la division n'aura quasiment pas d'impact sur la valeur de ce bien-là. Donc tu te retrouves, je me retrouve, du coup, c'est un projet que je viens d'acheter, avec un terrain qui m'a coûté moins de 50 000 euros. Et ce terrain-là, il vaut 220 000 euros sur le marché. Okay? 200 000 euros, ça part direct. 220 000 euros, ça peut prendre un peu de temps, mais ça partira aussi. Okay? Donc les divisions de terrain, c'est quelque chose qui sont, honnêtement, c'est des choses qui sont très simples. Et pareil à l'avenir, parce que voilà, on manque de terrain, il y a de moins en moins de terrain, donc la surface des terrains vont se rapetisser de plus en plus. Les divisions vont, il y a de plus en plus de divisions, il y en aura de plus en plus. Et c'est quelque chose qui est assez facile. Donc là, pareil, ça peut changer du tout au tout, si tu es en société de marchand ou en particulier. En particulier, tu peux faire une opération comme ça où tu peux quasiment ne pas payer d'impôts. Okay? Donc tu achètes ça. T'achètes ici, t'habites dedans, ok? Donc habitation dedans, t'habites, voilà, t'habites 5 ans, 10 ans. Au bout de 5 ans, tu revends cette partie. Pendant ces 5-10 ans, peut-être que tu as commencé à construire la maison. Une fois qu'elle est construite, tu vends ça. T'as pas payé d'impôts, c'est ta résidence principale. Et là, t'habites gratuitement, enfin, entre guillemets, tu bascules de l'autre côté. Donc cette maison, c'est comme si ce terrain, cette maison, ok? Cette nouvelle maison, admettons que la construction t'a coûté 200 000 euros. Ça t'a coûté les 50 000 euros à peu près du delta, plus les 200 000 euros, 250 000 euros, une maison neuve, etc., dans ce quartier-là qui vaut 400 000 euros. En société de marchand, après avoir divisé le terrain, si tu vends le terrain, tu es en TVA totale. Okay? Donc là, tu as 20% du prix du terrain qui part. Donc pareil, il faut faire attention en société de marchand. En société de marchand, pour éviter ça, tu peux, mais il faut que l'acheteur accepte. C'est que tu signes avec une condition que l'acheteur fasse la division avant que tu achètes. Et de ce fait, toi, tu auras acheté le bien divisé et tu pourras le revendre de cette manière. Et donc, ne pas payer de TVA à la revente ou être sous la TVA sur marge selon ton régime. Mais il faut que l'acheteur accepte. Et puis, si tu souffles cette idée à l'acheteur, il y a des chances qu'ils se disent, ah ben, merci pour l'idée, ciao, je vais le faire moi-même. Okay? Donc, mais voilà, j'ai déjà fait plusieurs fois, j'en suis à ma troisième opération de division de cette manière, en société de marchand ou à titre perso. Il y en a des opérations, quand tu sais comment chercher, quand tu sais ce que tu veux, tu peux faire de très bonnes opérations. Okay? Donc, division de terrain, c'était la numéro 6. On passe à la dernière méthode. Celle que tout le monde attendait, celle que je pratique maintenant depuis près de 10 ans, c'est les ventes aux enchères. Et les ventes aux enchères, l'avantage, c'est que c'est un levier, en fait, c'est juste un moyen et tu peux acheter des biens aux enchères et en plus pratiquer une ou plusieurs des méthodes que je viens de te citer juste avant. Tu peux acheter un bien aux enchères avec un terrain divisé qui en plus. Tu peux faire une extension sur la maison existante, etc. Je te laisse imaginer le champ du possible. Les enchères, ça permet d'acheter le bien en dessous du prix du marché. Okay? Si tu achètes un bien qui est occupé, mais qui est une maison avec un terrain divisé, ou le bien est occupé, donc déjà tu as une décote, mais en plus, toi, en la rénovant, en revendant, tu peux gagner encore plus. Je te laisse imaginer le choix du possible. Les enchères, voilà, c'est pas pour rien que je fais. Plus de 90% de mes opérations aujourd'hui, c'est des ventes aux enchères. C'est pas pour rien. Tu as de tout budget. En 2022, l'élève avec le plus faible budget qui est acheté, c'est 30 000 euros adjugé. Ça revient à peu près à 45 000 euros avec les frais. Et tu peux faire des opérations à plusieurs millions d'euros. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. Honnêtement, de plus en plus, on se professionnalise dans les enchères et de plus en plus, on fait de bonnes affaires en termes de quantité ou de pourcentage de plus-value. Donc voilà, c'est la dernière méthode. Je ne vais pas parler plus sur les enchères parce que j'ai une flopée de vidéos sur les enchères sur cette chaîne YouTube. Il te suffit juste de regarder les vidéos suivantes.
Et donc voilà, donc pour récapituler, première méthode, achat de biens à rénover. Deuxième, extension, surélévation. Troisième étape, transformer des locaux commerciaux en habitation. Quatrième méthode, acheter des biens occupés. Cinquième méthode, acheter des biens en arrêté de péril ou insalubrité. Sixième méthode, acheter des biens avec des terrains divisés. Donc souvent, ça va être des pavillons ou des immeubles. Et septième méthode, c'est les ventes aux enchères immobilières. Et je rajouterai même une huitième, qui sont les ventes par mandataire judiciaire. Les ventes par mandataire judiciaire, ce sont les ventes aux enchères des biens qui appartenaient à des sociétés. Okay? Et ça peut être des usines, des garages, ça peut être des appartements, des maisons, parce que la société a en possession un appartement, une maison pour loger ses salariés. Donc, tu vois, celle-là, je ne l'avais pas notée. Huitième méthode. Et ce sera la méthode bonus pour générer de la plus-value à partir de 2023. Parce que toutes ces méthodes-là, si tu les appliques, franchement, il y a plein d'opérations. Moi, perso, je vois plein d'OP passer. Des fois, je ne peux pas en faire parce que je suis à court de budget. Mais franchement, il y a de quoi faire. Donc voilà, les amis. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que tu as appris des choses. J'espère que je t'ai ouvert un petit peu l'esprit. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y réponds personnellement. Si tu souhaites me contacter, voilà, tu as mon adresse email également qui s'affiche juste ici. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à toi, ciao, ciao.